Hey, 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 cucu mes petits culs! Et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play de Marois. Eh oui, on regarde Chouquette parce que elle était en train d'accoucher quand on est parti. Hein, notre vieille Nabeshima allait mettre bas. Donc je sais pas. Là, elle refait des mamours à son fiancé. Qu'on lui a imposé, mais avec qui ça marchait très très bien. Alors. Tu étais en train d'accoucher, ma belle. D'accord, t'as un peu de mal, ça va. Ah oui, mais t'es justement en train d'accoucher, donc tu galères en fait. Oh la chouquette! Oh là là, alors vous prenez les paris. Mâle ou femelle, et est-ce qu'il va ressembler encore une fois à Nabeshima ou pas? Parce qu'on avait eu deux filles déjà, Athéna et Aphrodite, je crois que c'était. Et puis elles étaient idem leur mère, quoi, à part les yeux. Voilà. Pendant que notre belle, comment elle s'appelle déjà? Azénor fait des papouilles aux minouches. D'ailleurs, on va faire un peu de... Qui c'est ça? Ah, c'est Marois. Ok. Et je veux faire la vision chat. Ça, c'est vision chat. C'est vision qui? Attendez, je suis paumée. Ah non, ça c'est... Bah non. Ça, si, c'est notre fils, ça. Ok, ça, c'est un chat. Je crois que c'est Nabeshima. De toute façon... Oh! Oh! Voilà ça! Ça casse tout le mythe. Là, je suis qui? Je suis Apollon, je crois, non? Niveau supérieur. Quoi? C'est bien. Là, c'est qui? On sait pas. En tout cas, c'est un minou qui est sur le... Ah! Attendez. Ça doit être Athéna. On est retourné sur Marois. Oh! Trop mignon! Ils sont en train de jouer! C'est Aidan et son papa qui jouent à la poupée. C'est trop chou. C'est vrai, je le fais pas assez souvent, la vision à la première personne. Et là, c'est Nabeshima qui les regarde. C'est trop marrant! Oh, salut Calibou! Oh, je viens faire une câline. Oh, ça fait du bien, le câline. Merci, merci papa, merci. Tiens, et si on allait se balader, tiens, oula, oula, oh, un bout de queue! Ah, ben, elle est en train de faire la folle. Bon, ben, elle est en bon état, alors, en bonne santé encore. Oh, monsieur, trop mignon! J'avais pas encore fait la vision première personne du chat, d'un chat. Un bout de queue! Un bout de queue, une bout de patte. Oh là là. Oh, ça rigole plus. Et Apollon, il fait quoi? C'est très bizarre. Ah, il dort! Il dort! Regardez, il est sur le canapé. Oh, et Athéna. Ah oui, on le voit dormir. Oh, mais c'est trop mignon! Il est trop chou. Un chaton est né. Chaton femelle. Encore! Alors, on était parti sur Apollon, vu que c'est le père, Athéna et Aphrodite, c'est encore une femelle, une femelle, une femelle. Oh là là, une femelle, on va l'appeler Déméter. Voilà, on va rester dans le thème des déesses grecques. De toute façon, on n'aura qu'un seul chat, puisqu'on n'a plus de place. Et c'est un petit pépé, attendez. Regardez-moi ce petit ange! Non, ça c'est Apollon. Ça c'est Athéna qui mange ses croquettes. Oh, ça c'est le petit c'est le portrait craché de son papa. Mais regarde-le. Nabeshima, regarde ton enfant. Bon, ben, elle regarde les tableaux. Au moins les chats, on peut... Ah, oh là là, ça fait mal. On vient de recevoir des droits d'auteur. Est-ce que... Oh mon dieu, je crois qu'Apollon est en train de vieillir. Ouais, il est en train de venir âgé. Oh mon dieu, nos chats vont nous quitter en même temps. Mais il est fou, hein, regardez, il n'arrête plus, hein. Je suis désolée pour ceux que ça fout le tournis. Et voilà, Apollon a vieilli, c'est un vieux matou. Oh non, Apollon. Oh. Oh, bah dis donc, on le voit maintenant. Bon, bref, alors, je vais... Déméter, regardez-moi cette chouquette!
Oh mon Dieu! Coucou ma fifille! Coucou! Oh mon Dieu, ce bouillot, bouillot, bouillot! Elle a fait ses griffes. Ah, c'est trop bien! Mais c'est bien parce qu'on aurait eu l'autre couleur cette fois-ci. Et le mélange chez les chats, je suis pas sûre que ça fonctionne en fait. Et Coquinette! Elle fait ses griffes, c'est bien fifille, oui! Les yeux bleus, les yeux bleus comme Nabishima. Voilà. Autant les. Et s'il se passe ici, les Sims? Caleb! Tu viens réparer. Ah non, mais là, je les laisse faire leur life depuis tout à l'heure. Je me rends compte que c'est Nawak. Tu fais quoi, toi? Tu veux parler au chat? Déjà, arrête de boire. Caresse Nabeshima. Ok, très bien. On est dimanche. Il est 11h du matin. Et la vie est belle. Tu vas. Père Noël confiant. Toi, qu'est-ce que tu pourrais faire de ta vie? Hein? On sait pas. Tu vas peut-être t'habiller. Et puis, t'as faim. Et tu vas t'habiller. Oh là là, est-ce qu'elle me casse les noix? Tu me casses les noix, toi, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Rieko? Mais non, on va pas aller en boîte. Azenor, tu vas manger. Oh, il faut les gérer, ces chats. Ces chats. Les Sims. C'est pire que des chats. Hein. Et puis tu vas remanger un plasma fruit ici. Gaston Bachelet se demande si je veux venir chez lui. Eh ben ouais, parce qu'en fait j'avais l'intention de venir d'aller chez eux. Comment ça? Chez toi, il n'y a que Caleb? Oui, non mais ça va pas bien. Non. On va y aller toute la famille. Hein. Si on arrive à trouver nos enfants. C'est quoi ce délire? Elle a pas ses enfants dans ses connaissances. Mais what? Mais qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Et ben finalement, je suis y allée. Mais j'ai dit Caleb, viens. Oh, j'en ai marre. Et on va ramener les gamins comme ça. Voilà. Oh, dis donc, Gaston, c'est pour quand le bébé, quoi? Toi, tu vas cramer, donc tu vas vite rentrer. Allez, zouf. Et alors qu'on va saluer Gaston. Ah, mais dis donc, je suis en train de me dire. Il neige? Ah oui, c'est vrai, on est en hiver. Fichtre, combien? Jour, le premier jour, d'accord. Donc eux, ils sont à Willow Creek et il neige déjà beaucoup. D'accord, ok, très bien. Salut Gaston, mon fiston. Bah non, mon fiston, mon frère. Mon jeune frère. Que j'ai vampirisé aussi. Vous allez après discuter ici. Et on est retourné dans la vieille maison du Bad Challenge. Et il y a normalement notre nièce. Ce petit machin-là. Qui est donc, ça s'appelle comment déjà? Ah ben, elle veut pas, on veut pas savoir. On peut pas savoir. On peut ou pas? D'accord, non, on peut pas. Ça m'agace, hein? Moi, je vous le dis. Je ne sais plus. Mais Aidan? Mais c'est moi qui sais plus ou quoi? J'avais pas demandé au gamin de venir, moi. Je perds la boule. Notre petite nièce s'appelle Émilie et apparemment elle avait faim, même si c'est pas moi qui m'en occupe, parce qu'elle n'est pas de ma famille. J'avais une notification comme quoi, voilà, elle avait faim. Donc bon, hein, on va la nourrir. Faudrait pas qu'elle crève, la pauvre Pichoun. Et voilà. Et donc maintenant ils sont tous là. Tu pourrais t'habiller, Aidan. On est peut-être en famille, mais quand même, hein, je sais pas. Habille-toi, fais quelque chose de ta vie. C'est sympa, hein, d'aller chez tout le monde là. Et bon, Aphrodite, elle est malade. C'est pas de bol. Oh, la détresse de cette pauvre chatoune qui est malade, qui n'a pas de litière, c'est l'horreur. J'ai vraiment de la peine pour cette pauvre petite chatte, quoi. On peut rien faire, je peux pas. Oh là, ah mais tais-toi par contre, parce que là, tu me gaves. Juste, tu me gaves. Ma pauvre. La détresse d'un chat. C'est horrible. Elle fait que ça et tout. On peut rien faire. Je peux rien faire, ma chouchoute. Je veux même pas t'emmener chez le véto. Je peux rien te faire. Je suis tellement, tellement triste pour toi, ma petite Aphrodite. On t'a mis dans une mauvaise maison. Oh là, Caleb, il est tout dégueu. Eh ben, chat alors. Oh ben, fut. Tiens, tu vas manger et va peut-être te soigner. Ce serait peut-être pas plus mal, hein, quand même. Ouais.
Est-ce qu'il a encore du... Non, je sais pas. On sait pas s'il a du médoc. On sait plus. Oh! Elle a fait un caca arc-en-ciel dans la maison. Ah, c'est énorme! Ah, il est parti! Gaston, il a marché dedans quand même. Hein. Ah, bah elle va mieux, regardez. Ah oui, je me roule par terre. C'est beaucoup plus drôle comme ça. La pauvre. Oh, la pauvre chouquette. Oula! Mais maintenant, ça y est, même Azenor, elle est malade. Non, mais super! Ouais, tu reprends et puis on va rentrer parce que de toute façon, là, si tout le monde est malade, on va aller se soigner à la maison et puis on aura vu un peu la familia et c'est pas plus mal. Ça a fait du bien de temps en temps. Hein. Voilà, les frères et sœurs, nièces, tout ça. Ah oui, si! Avant de partir, je voulais faire grandir la petite. Non, pas ça. On va la changer d'âge et avoir... À quoi elle va ressembler. Bon, après, il n'y aura pas trop de surprises. Hein. Cheveux noirs ou bruns. Et on verra. Allez. Il est l'heure, ma petite. Oh, bah alors, les cheveux noirs. Les cheveux noirs pour la petite Émilie. Oh, les chouquettes. Regardez-moi ça. On verra à qui elle va ressembler en grandissant. Si c'est à sa mère ou à son père. Oh, la tête qu'elle fait. Je vais te tuer dans ton sommeil. Je vais te tuer. Et nous voilà à la maison. De retour avec tous nos chatons. On a avec nos quatre chats, là. On a que ça. Attends, bon, toi, t'es fatigué. Tu vas manger, tu vas dormir. Espèce de petit... Hein. Toi, alors toi, tu me casses les bonbons. Tu vas récolter. Et tu vas manger, bon sang de bonsoir, tes punaises de plasma fruits, parce que là, tu me gonfles. Toi, est-ce que t'avais refait un livre ou pas? Non. Tu vas... Un livre de compétences? Non, tu l'as déjà, ergologie. Un livre de genre, science-fiction. Allez, tu y vas. Et toi, t'avais fini ta... Oh non, j'aime pas cette toile-là. 2009... Écoutez, on va la vendre. On va voir si elle va être beaucoup notoriété. On va voir si ça va monter. Oui. Ah, quand même un petit peu. Alors que Calebou, il est toujours en image publique. Il avait gagné une étoile. Et pour l'instant, il ne l'a pas encore perdu. Alors, peut-être que vous suivez DK Channel et vous voyez à quel point c'est facile de perdre une étoile. Donc... Qu'est-ce que tu fais? Ah, elle fait du basket. Oh, mais elle est malade aussi, quoi. Bon, ça va être super. Une toile enjôleuse. Ah, parce qu'elle s'est fait piquer. Lui, il est fatigué. Et toi, bah, toi, t'as plus rien. Tu déconnes ou quoi? Ah, bah non. Ils se sont fait piquer en allant chez la famille. D'accord. Sympa. Quoi? Et les chats? Qu'est-ce qui se passe? Regardez-moi cette chouquette, elle est trop mignonne. Je connais pas son trait de caractère. On va aller voir Déméter. Alors, elle est folâtre, prédatrice. Oh là là. Prédatrice et gâtée. Eh bien, ça change. Ah, lui, il était nerveux. Ah, prédateur et gâté quand même. Et folâtre, amicale, nerveuse. Amicale, folâtre et joueuse. Voilà, hein, nerveux. Ah oui, ils héritent des traits des parents quand même. Moi, j'ai ce petit cul, là. J'ai ce petit cul d'amour. Oui, je sais, je suis gaga des chats. C'est horrible. Mais elle se barre, hein, ça y est. Elle en a assez de la maison. Elle s'est dit, wesh, vas-y, gros. Je m'en fous, moi, je détale, là. Je détale, wesh. Eh, mais tant que j'y pense, toi. T'as faim, tout ça. Mais il fait nuit, là. Attends, on va aller chasser. On va aller chasser. Viens ici. Viens ici, ma petite. Regarde, il y a plein de bétail. Bonjour madame. Est-ce que ça te dit de venir de devenir notre casse-croûte? Déméter, elle est là, regardez les chouchoutes. Elle sait à peine marcher, elle est déjà en train de vouloir chasser. Mais non, mais c'est trop coucouillou. C'est quoi ça? Pourquoi il y a un cupcake vanille, classique vanille? Je vais le mettre dans l'inventaire, tiens. Tu te pointes, Azenor, hein, je t'ai demandé. Ah, tu préfères être seule? Eh ben viens. Oh là là, ce qu'elle est chiante. Eh, mais voilà une jolie toile qu'on va vendre à la place de l'auteur. On va gagner de la notoriété.
Je sais pas, je fais récupérer les trucs et tout. Vas-y. T'as pas gagné de notoriété, c'est bizarre. Oh, bah alors, bon, tu vas manger. On va manger quelqu'un. Le truc, c'est qu'elle a pas encore à très rapide. Oh là, toi, tu me plais bien, toi, et ton allure, là. Hein, avec ta démarche un peu féminine, ta belle moustache à la Pierre-Nard. Je vais te croquer le cou. Tu vas boire du plasma. Une petite quantité seulement. On va s'amuser un petit peu comme ça. Ah oui, c'est pas du tout un bon endroit, très pratique pour. Mais au moins, elle est presque à la pris des regards. Hein. Et sinon, on fait comment? Je devrais la faire la première personne quand elle est en train de mordre. Ça pourrait être rigolo. Oups, pardon, excusez-moi. On va chasser quelqu'un d'autre. Tu commences à sentir la chaussette, mais t'as encore une petite faim. Donc, on va encore chasser. Regarde, elle vient à toi, celle-là. Elle vient à toi. Tu vas le regretter. T'es ma chère. Ah non, elle a des pop! Oh la frustration. Bon, je vais chercher une autre proie. C'est que mine de, ça commence à être infesté de vampires dans le coin quand même, hein. Il y avait 3-4 personnes, je pouvais rien y faire parce que c'était des vampires, donc je pouvais pas les manger. Allez, ma belle. Ah oui, alors attendez. Un coup. Nyer, 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 nyer. Bon. Finalement, on voit pas grand-chose. J'aurais espéré voir un peu de sang couler du cou de la victime, mais quel dommage, ce n'est pas le cas. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah oui, t'as raison. Tu peux vendre, du coup. Je pense pas, mais ça fait notoriété, mais... Ah, ma souris, elle vaut pas. Mais j'ai toujours rien de notoriété en fait. On peut pas vendre les toiles des autres, ça nous fait pas gagner de la notoriété. Et en même temps, c'est normal. Bravo, Caleb a terminé un livre, c'est pas vrai. Caleb, t'as déjà terminé un livre, mais t'es oufissime toi. Allez, tu vas le mettre tout de suite. Ah oui, alors attendez. Tu vas le mettre tout de suite en. Ouais, une copie. Ah non. Vendre un éditeur. Allez. Et on va voir ce que ça va faire sur. La notoriété. Alors, nominé pour une récompense, cool. Et ça pas, y a pas eu un grand bond quoi. Qu'est-ce qu'il veut la chouchoute? Proposer son amitié, caresser, faire connaissance et donner une friandise à Fifille. Ah, Eden, t'es déjà debout? Tu, d'accord. Non, il n'a pas été dormi. En fait, il a dû faire une sieste. Il a tout pété. Et là, il va se faire un bon petit bain. Tranquillou bilou. Bah oui, comme d'hab. Et deux nouvelles toiles pour Marois. C'est une toile excellente. Je vais l'encadrer et la mettre dans l'inventaire, celle-ci. Et ça, c'est quoi? C'est une toile enjôleuse. Est-ce que tu peux. Oui, Apollon. Ah, elle est sympa. Allez, je ne l'ai jamais eue. Donc, tu vas la mettre aussi dans l'inventaire. Et on va travailler à faire une nouvelle toile. Une toile classique en 75. Ce sera pas mal. Et une toile impressionniste en 50. C'est vrai que je ne les fais jamais les petites. Et on verra si ça se vend bien aussi. Bon, pour le coup, toi, tu vas dormir pour de bon. Toi, tu vas te prendre un bon petit bain de mousse. Allez, virez-vous là de là, les chats. Qu'est-ce qu'il fait, lui? T'as besoin de te changer pour danser. Ok, très bien. Kalebou danse et Marouat fait des toiles. Bon, je pense que pour le coup, on a fait le tour de cette petite famille et avec notre nouveau petit chaton. Je pense que d'ici peu de temps, Anabeshima et Apollon nous quitteront. Donc voilà, ce sera triste. Mais c'est la vie. Et comme j'avais déjà dit, Anabeshima, ça fait un an dans la vraie vie qu'on l'a dans le let's play. Donc il serait peut-être temps qu'elle nous quitte. Allez, en tout cas, moi c'est là-dessus que je vais vous quitter. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour la suite du Les Tuiles de Marois ou d'autres choses. Allez, salut!